Allez, voilà, c'est là. Eh, j'ai eu deux fraises. 25 morts. Ça va. Ça va, les gars. Tranquille, attendez. Tout est bien foutu dans le jeu, hein. Pas ouf, ça. Eh, ça fait 10% des fraises obtenues. Chapitre 2, le site ancien. Il y en a 8. Dans 2 heures, c'est fini. Les fraises impressionneront tes amis, mais c'est tout. Ne les ramasse que si tu y tiens vraiment. Voilà, alors restez tranquille. Moi, je suis pas là pour me branler, hein. Je fais pas un concours de bites, les gars. Les combats de coq, je laisse ça à d'autres mâles de mes couilles. Hein. C'est magnifique, en tout cas. C'est magnifique. Il rigole, on va leur laisser la petite cuillère. Tu sais pas, tu seras en live, je sais. Si je te, si t'es toujours en live et je te raid ce soir, tu pourras savoir, toi. Je sais pas combien de temps tu stream, contre Streambull, mais si t'as un raid de moi, donc avant minuit, si t'es toujours en live, et bah, tu sauras que j'ai gagné de Paris. Hein. Voilà. Par contre, c'est sublime. Faut aller où? Oh putain. Oh non, mais. Alors, par contre, s'il y a des énigmes et tout, moi je suis foutu, les gars. Ah, ok. Bon, il y a de la lumière, c'était pas très gâché. Oh là! C'est sombre là. Fat énigme. Eh, reste tranquille, toi. Par contre, c'est là qu'on peut se perdre dans le jeu. Ça, je l'avais pas vu venir qu'on pouvait se perdre. Ça va se casser la gueule, ça, non? Ah non, mais ça, c'est... Okay. Alors, si on peut se perdre, moi, je suis foutu. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils filent des quêtes? Je comprends pas. Ils nous montrent, en fait... Ah, c'est genre un... Non, c'est quoi? Hé, hey, Archange, comment vas-tu? Je t'ai pas vu, excuse-moi. Ah ouais, non, mais il y a des énigmes. Il y a des énigmes de l'enfer, là. Je sais pas ce que je dois faire. Quand le niveau est trop grand, d'accord. Ah, le niveau 2, ça y est, ils me font souffrir. Mais tout, la vie est une énigme pour moi, chers amis, vous vous rendez pas compte? Ah! Ok. La vie est une énigme. On va descendre, écoutez. Hein. Oh merde. Merde! Non! Mais il y a des énigmes de ouf, quoi. Il y a des énigmes de ouf, là. Quel enfer. Ah, putain. Ça va être terrible. Je sais pas où je dois aller. Je peux pas monter, là. Ah, mais elle faiblit, là. Bosse tes bras, Céleste. Enfin, Madeline. Y aller là-bas. C'est ouf. C'est un truc de ouf. On n'avait pas parlé d'un jeu énigme, on avait parlé d'un platformer. Moi je refuse, rembourser. Là, je retourne voir Jean-Michel, non? Mais je vais me perdre. Ah, putain, quel enfer. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est pour moi, les énigmes. Hein. C'est pas ma logique. Hein. C'est pas ma guerre, c'est pas ma guerre, colonel. Thank you.
Ah, on peut dash avec X ou avec B. Non, 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 pas de taxi. Pas de taxi. Quel enfer! Mais là, je sais que je peux rester bloqué pendant 12 heures à cet endroit-là. Hein. Ça, c'est, pour moi, c'est une énigme, hein, clairement, pur et dur. Faut pas revenir en arrière. Gna 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 gna. Est-ce que quelqu'un peut me spammer gna 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 gna, s'il vous plaît? Non, mais je pense qu'il y a un truc avec les étoiles là, mais je sais pas ce que je peux faire à ça. Putain. Ah! Ça se casse! Oula! Oh! Enfin. En fait, ça, ça crève les yeux. Attends. Ok, non, ça marche pas ça. Oh putain! Non, mais là, c'est infâme là. Oh putain. Oh la vache! Attends, elle veut que j'aille où là? Oh putain. C'est quoi cette pièce? Merde. Arrêtez de vous moquer, oui, bordel! Ok. Hop là, c'est bon. Oh non! Putain! Putain. Je vous les teste tous, hein. Sachez-le, toutes et tous. Ah oh, putain! Ma... dans mon mépris, je suis général. Hein. Mon mépris est unisexe. Hein. Mon mépris est parfaitement unisexe sur cette chaîne, hein, sachez-le. Non! Mais non, ça me fait revenir au début, putain. Non, 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 faut pas faire ça. Ça et ça. Oh putain! Elle se casse la gueule en plus. En plus elle se casse la gueule quoi. Bosse tes muscles Céleste. Putain les triceps quoi, on avait dit là l'entraînement. Ah! Wouh! Je l'ai passé. What? Ok. S'est brisé, la Madeleine démoniaque est sortie. D'accord. Ok. On sait pas, elle est peut-être gentille. Elle a les yeux rouges. Ok, d'accord, je comprends le tuto. Oh, putain. Ah, mais alors, par... Oh là là. Et bim, la petite fraise. Alors, même moi, je suis épaté. Ah, je suis revenu là. Ça ne servait à rien. Je suis à la manette pour le coup. Non mais tout, hein, le feedback, le son, l'univers, tout est magnifique. Hein.
Pour l'instant, tout est d'une splendeur rare. Non, je suis déjà venu ici. J'ai dû rater un truc. Il y avait quoi ici déjà? Et si je peux tout rien faire. Avant, je peux descendre là maintenant. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, c'est pas trop dur. Succès de verrouiller, entrée. Phase B débloquée. Oh non, putain, c'est comme le Dark World de Meat Boy. Est-ce que c'est le même principe? Non, non, parce que ça, je dis non. Ah ouais, non, mais voilà, ça, c'est pas dans l'histoire. Hein. Le Dark World de Meat Boy, c'est l'enfer, pardon. Travail, c'est comme d'hab, hein. Il y a les trucs qui vont être simples et les trucs qui vont être l'enfer, tu vois. Les énigmes, ça va être l'enfer et les trucs qui vont être tout bidon, tu vois. Oh! Bim, je le fais, tiens. C'est... ça, c'est un classique. Par contre, faut que je reprenne la fraise, c'est ça? Ah non, ça me... une fois que t'as pris la fraise, même si tu remeurs, ça me la compte toujours. Merde. Nya, 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 nya. Ah, je vois qu'elle se moque, la bulle. Ça se moque dans le chat, là. Je vois ça, très bien, bravo. Ah bah, bravo. Mais comment je suis mort, là? Attends. Ah, si je sors sur un mur, je meurs, d'accord. J'ai pas compris. Bon, par où il faut aller, hein? Là, la vraie problématique, par contre, c'est que je sais pas où il faut aller, ça. On avait parlé d'un platformer, hein, pas d'un labyrinthe, putain. Je suis déjà venu, ça. Merde. Non! C'est bon. Ah, putain. Oh, bordel. Bon, oui, faut aller. Ah, je peux encore revenir plus en arrière. Oh. Wouh. Ok. Bon, j'ai bien fait de revenir en arrière. Ok. Non. Tombe pas ma belle. Bon, c'est pas grave, j'ai eu la fraise. Ah non, ça va pas compter là. Ah, parce qu'il faut que je passe, je pense, un... Je comprends pas. Comment je reviens en arrière? Non. Ah, c'est la bière. On est d'accord, merci. Par contre, je comprends pas là. Faut que je le sop, on va aider les frères. Okay. Mais non! J'avais compris. Oh putain. Quel enfer. Oh, mais arrête de crever, Madeline. Tu l'as fait toi, Céleste, Bulle? Mais je meurs tout le temps de la même manière, j'en peux plus. Non! Ok, c'est bon. Salut, prof, on a... J'ai très peur de le faire. Non! Non, non, non. Ok, je pense que j'ai compris ça. Non. Oui. Oui. Grimpe. Ok, c'est bien. Ok, c'est bon. J'ai compris. Eh, salut les gars! Madeline, ma chère, ralentir. Qui a parlé? Oh, je ne suis qu'une observatrice inquiète.
C'est Dark Madeline, je vous ai dit. Tu es moi ? Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a-t-elle l'air si sinistre ? Elle est pas sinistre, elle a les cheveux violets. J'aime bien les cheveux violets. Elle a l'air triste tout net, la partie sinistre. C'est mon apparence, d'accord ? Tu dois t'y faire. Désolé, je ne voulais pas. N'y pense plus. Si tu savais quel soulagement c'est de sortir enfin de ta tête. Mais écoute, je suis inquiète à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Ah bah là, on a un point commun avec Madeline, hein. On n'est pas des alpinistes, clairement. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais que ce n'est pas ton fort. Mais sois raisonnable pour une fois. Tu n'imagines pas dans quoi tu te lances. Ah, ça... Ce dialogue aurait pu m'être écrit. Clairement. On est d'accord. Tu n'y arriveras pas. Ah si, par contre si. 130 sols, pas déconner. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Presque. Es-tu la faible partie de moi ou la partie paresseuse ? Allez, bim ! Je suis la partie pragmatique. Non, c'est faux. Et je tente de rester diplomate. Rentrons à la maison ensemble. Ah, mais c'est la partie Pookie, en fait. Ok. What ? Maintenant, mais elle m'attaque, maintenant ! Manquait plus que ça ! Mais non ! J'arrive pas à grimper. Grimpe ! Grimpe, putain ! J'arrive plus à grimper ! Ah, mais j'appuie pas sur la gâchette ! J'ai oublié d'appuyer sur la gâchette depuis tout à l'heure, je suis un connard. Casse-toi ! Casse-toi, t'es moche ! Casse-toi, t'es moche ! Aïe ! Bon, après, je m'en bats les couilles. Vas-y, casse-toi. Oh putain, quelle saloperie. Elle est vilaine, Durance. C'est vrai, c'est Dark Magic. Non ! Non, j'étais presque. Barre-toi, barre-toi de là. C'est quoi ça? Ah non! Elle me pop dessus. Oh putain. Oh bordel de cul de fion. Eh non mais... Par contre, c'est pas juste, l'autre c'est un missile téléguidé, quoi. Attends, je comprends pas ce que je dois faire en fait avec ça. Je dois toutes les prendre pour activer un bordel, j'ai l'impression. Non ! Ah, c'est un enfer. Elle me suit ! Casse-toi ! Non ! Je libère le... Rayman 1, la toute fin, c'est devant l'escalier. J'ai pas fait Rayman. Ah, j'ai compris. Ça, j'ai compris, ok. En fait, elle fait les mouvements que j'ai fait. Par contre, elle me fonce quand même dessus. Je ne comprends. Ok, ça, moquez-vous. Non, c'est pas ça. Non, j'étais presque. Ah, oh, j'étais presque. Putain.
Non. Ah, c'est tellement chaud, la musique est bon. Oui, casse-toi. Grimpe. Yes. Il y en a trois. What the fuck. Barrez-vous, vous êtes moche. Oh putain. Non. Putain de fraise à la cou. Non, je me gronde au bouton, bon, fuck it. Envie pour la fraise. Cassez-vous. Non. Je les teste tous, hein. Ça je vais dans le chat, là je les teste tous. C'est chez nous que ça a sonné? Nat? Enfin c'est chez toi? C'est pas chez moi ici. C'est où que ça a sonné? Ah c'est dans le jeu. Ouais c'est l'enjeu, c'est l'enjeu. Ah. Oh. Oh là. Oh là. Oh là 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 là. Non. Non. Descends. Oh. Non. Merde. Putain. Putain, saloperie. Allez. Là, mais non, ça m'en ouf. Quel enfer. Et quel enfer ce jeu. Allez là. Lâche. Non. Ah. Quel enfer. Je meurs tout le temps au même endroit, c'est super dur. Et stop, vous moquez dans le chat. Non. Mais non. Ah. Attends. Ah, il y a un autre passage. Là, je crois que je viens de voir un autre passage. Au bout de la 45ème fois, je crois que je viens de voir un autre passage. J'avais pas fait... Ah non, lâche. Ah non, d'accord, ok, ça peut pas être... Non. Pourquoi ça traverse pas, là? Putain, mais j'ai 25 malines au cul maintenant. Okay. Allez. Ah, salut Yoann. Bonjour à ce Kai. Et je suis tellement crispé sur la mèche, je vais avoir mal au doigt. Je sais pas si je vais le finir en doute. Non. Je sais pas si je vais le finir en 12 heures, mais mes doigts, ça sera de la bouillie. Hein. Ça sera de la bouillabaisse, hein. Ça va être terrible. Ça va être absolument terrible. Oui. Ok. Non. Pourquoi t'es pas passé à travers? Ah, je veux finir quoi qu'il arrive. Un OS game sera toujours fini là. Dans la mesure du possible, mais là oui, je le finirai. Ça va me prendre du temps. Hein. Il y a du Red Bull. Il y a beaucoup de Red Bull. Je comprends pas. Ok, c'est bon. 4-5.
C'est quoi ça? Nien, nien. Alors, c'est drôle ça, dis-moi, dis donc. C'est trop simple, il y a un truc. Mais c'est... Allô ? Madeline ? Tu appelles d'une cabine ? Attends, je vais mettre ailleurs les... Merci beaucoup Billy, attends, je vais juste mettre ailleurs l'alerte. Merci beaucoup Billy. Attends, il y a le... Est-ce qu'il y a le temps du jeu qui continue d'avancer là ? Merde ! Tu appelles d'une cabine ? Oui. Non, attends. C'est toi qui appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, j'ai des ennuis. Je suis pourchassé par quelqu'un. Je ne comprends bien ce qui se passe, mais je me sens en danger, je le sens. Madeline, tu ne m'appelles que quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien. Tu ne changeras jamais. Chut. Chut, ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Ok, c'est son mec et où son ex? Je t'écoute. Je grimpe le mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir, il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée. Et... Je fais un rêve, n'est-ce pas? Elle est trop mignonne! Oh, elle est trop choupette. Madeline, bien sûr tu fais un rêve. Ah, c'est sa mère, tu penses? Je sais pas, la voix avait l'air assez grave. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant? Peut-être son père, ouais. Mais c'est horrible, par contre. Pourquoi gravir cette stupide montagne? Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner, de rentrer à la maison. Je viens de me faire bouffer. Attends, c'était pas la fin du chapitre, là? What? Qu'est-ce que... Fuck. Merde. Salut. Salut à toi, camarade voyageuse. Ah, salut. Toi aussi, tu viens pour étudier les vieilles ruines. Non, je viens pour monter au sommet. Merci encore en tout cas à toi, Billy, hein, pour les 5 subs. Je suis obligé de le remercier, je peux pas empêcher de le remercier. Tant pis. Bienvenue à Hypox, à Kosram, à Unul, à Onyxia et à LeNinja TV. Merci beaucoup, Billy, pour les 5 subs, pour un total de 143 subs offerts sur la chaîne. Merci beaucoup du soutien, Billy. C'est très gentil à toi. Merci, mec. Waouh, c'est de la folie. Au fait, je m'appelle Théo. Je suis un aventurier d'un pays lointain. Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas? Du genre loup solitaire et mystérieuse. J'ai compris, je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé. Ni, 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 ni. Salut Théo, désolé pour tout à l'heure, je m'appelle Madeline. J'ai tellement de choses en tête. C'est l'endroit idéal pour ça. Ces ruines invitent à l'introspection. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir, pour ainsi dire. Oui, je comprends. De quel pays lointain tu viens? Eh bien, chère compatriote curieuse, je viens du royaume mystique et énigmatique de... Seattle. C'est pas un hipster parce qu'il fait les choses, lui. Ça doit être un endroit spécial. Monter là-haut fut difficile, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris plein de belles photos, tu veux voir? Oh, bien sûr. Théo, elles sont super. Je finirai peut-être par atteindre un millier d'abonnés avec ça. Ok, t'as raison, c'est un hipster, mais il fait quand même des trucs. Et là, de la barbe. Enfin, il a une sorte de barbe cheveux. Ça fait tout, tu vois, ça ne s'arrête pas.
Je me suis déjà imaginé si j'avais tellement de barres, tu vois, qu'on voyait plus la délimitation. Il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Non, ok, c'est un hipster. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Oh, ils sont choupis. Elle fait la gueule. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Non, ça va, tu peux la poster. Mais je ne suis pas photogénique. Madeline, ne sois pas si dur avec toi-même. Ah ! Personne n'est photogénique sans filtre. Décontracté mais sophistiqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la photographie? Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour, mais ça me rapproche de lui. Oh, c'est beau. Alors, tu es déterminé à gravir toute la montagne? Oui, je m'en suis fait la promesse. J'en ai marre de trahir les promesses que je me fais à moi-même. Se fixer des objectifs, j'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Il y a du réseau là-haut? Je n'ai pas de smartphone. Madeline, tu me laisses sans voix. Ok. Donc oui, ça, défi ou pas défi, bah les couilles, hein, quand les petites conversations comme ça, j'ai envie de les faire. Non, je regarde. Défi hors notre défi. Ok. C'est super pour l'instant comme jeu, chers amis. C'est vraiment superbe. À tous les niveaux. Hein. C'est poétique, c'est beau. C'est super. J'adore. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression que ça réserve des trucs, ça. Mais. Ah, attends, mais elle est une... Parce qu'elle est en boucle dans un rêve, là, je crois. Ou alors c'est peut-être avant, je sais pas, mais c'est bien une chose étrange. Allô? Ah, ça c'est sa mère, ça. Salut maman. Bingo. Madeline, quelle surprise. Comment se passe ton voyage? Ça va, je suis juste un peu submergé. Oh non, tu fais encore une crise de panique? Pense à bien respirer ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? C'est super comme jeu. Pour l'instant, je suis fan. Hein. C'est magnifique. C'est... La musique me touche énormément. Le thème me touche. C'est splendide. Je vais aller pisser un coup, mais j'en profitais que le timing là s'arrête. Mais c'est... Ouais, c'est beau. C'est très très beau pour l'instant. J'aime beaucoup. Elle a 8 ans, Madeline. Non, elle est, c'est en mode chibi, tout en mode chibi, mais c'est une jeune femme. Pour moi, là, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Hein. C'est super, c'est super. A tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Merci encore, Billy, en tout cas. Merci à toi pour les 5 subs, c'est très gentil à toi. Je reviens, je profite que ça soit arrêté pour aller me soulager. A tout de suite. Héro tout le monde. Mais t'as pas de double écran, Triwin? Oh, t'as les moyens pourtant, non? Ou alors, toi, ça a été le bureau, ça. Elle a 10 ans en présumé. Ouais, voilà. Bon. C'était le bureau, toi, c'est ça qui était trop petit, hein? Ok. Pfff. Allez, c'est parti.